Bonjour à tous et à toutes, c'est Zartri. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre carrière sur NBA 2K18 au Cine. On est ici sur le choc des champions. On est juste après, enfin, je viens juste d'enregistrer la première vidéo, donc là, je la fais juste après. J'ai pas encore trop, forcément, j'ai pas posté la première, j'ai pas encore lu vos commentaires sur la première. J'espère en tout cas que la première vidéo vous aura plu. J'enchaîne, bien sûr, ici, parce que j'ai envie quand même de jouer, de découvrir un peu ce que ça donne ce NBA 2K18. Je l'attends vraiment énormément, ce jeu. Je suis vraiment super content d'enfin pouvoir y jouer. Donc ici on est sur un match 5v5 et là j'ai mal défendu sur mon adversaire. Ouais. J'étais bloqué là sur un de mes adversaires et donc du coup j'ai lâché sur lui sur lequel j'aurais dû défendre. Donc là on est en 5v5. C'est plus comme tout à l'heure en 3v3. Allez, peut-être le 3 points pour moi, ça passe pas. Ouais. Non, je pense que décidément il va falloir que j'abandonne le fait de tirer à mi-distance pour l'instant. J'ai pas vraiment les stats pour. Par contre, le pick and roll c'est bien vu. Par contre, en termes de passe, normalement ça devrait aller. Donc ça c'est un beau pick and roll avec une belle passe décisive à la clé. On va essayer de garder bien sûr le rythme, garder toujours la pression sur l'adversaire. Par contre, là, je suis pas forcément sur le meilleur défenseur là. Enfin, sur le meilleur attaquant du coup. Il est beaucoup plus haut que moi, l'avantage de taille. Bien vu ça, la défense, je suis parti. Je suis parti au panier. Ouais. J'aurais peut-être dû essayer un shoot à mi-distance, mais c'est pas encore mon fort avec mon joueur pour l'instant, mais je... Au lieu de forcer un double pas. Bon, c'est pas très grave, au final on a quand même le panier. Ah, il est rapide quand même pour la taille qu'il a. Ils arrivent à scorer derrière. Allez, il faut garder la main. Non, je vais faire un écran. Prends l'écran, tu veux pas? Je suis parti. Je suis parti. Ah, dommage. Dommage, bien vu. Allez, peut-être à mi-distance, ça passe. Ça passe, je crois que j'ai un bon timing. Parce qu'il me semble que j'ai vu quelque chose en vert. Alors, j'ai pas eu le temps de voir en dessous de mon nom, en haut à droite. Attention, l'écran, c'est bien vu. Où il est passé? Il est passé, j'ai pas pu... mais oui, j'ai pas pu faire le contact. Je pensais que je l'avais fait le contact, mais non. Il est quand même passé. On va pas trop faire le fou là, à tenter de dribbler de partout. On a encore un joueur en début de carrière. On n'a pas un joueur à 99 de général. On va pas faire les fous à faire ça. Voilà. On va garder les choses simples. Faire des petites passes, des petits pick and roll. Garder les trucs simples au début. Et puis on cherchera plus compliqué plus tard. Attention, le double écran là c'est bien vu. Très bien vu la part de nos adversaires là. Le double écran qui a bien démarqué... ATM pour le tir à 3 points. Ah, dommage, ça ne rentre pas pour nous. Derrière. J'aurais dû défendre sur le numéro 8 et pas sur lui, là. Parce qu'il est beaucoup plus grand que moi. Bah oui, non, mais là tu veux que je fasse quoi? Là, il domine sous le panier, tu veux que je fasse quoi? D'affaire au moins 10-15 cm de plus que moi. Je peux pas trop batailler là-dessus. Hein. 2-3 points, ça rentre, c'est bien vu, ça. Bon, je fais pas grand-chose sur ce match, faut le dire. 2 points, une passe. Et 33% de réussite au tir, c'est pas extraordinaire. Ah, dommage! Oui, j'ai bien vu. Et j'ai décidé de shooter direct. Ça passe pas. J'ai pas pu avoir le rebond. Par contre, j'ai pas beaucoup de stamina. Je sais pas si je vais pouvoir revenir sur lui. Si, quand même, ils ont pas été super rapides. Putain, ils ont échangé. C'est bien vu, là, je suis dessus quand même. Ah là là, ça joue bien en face. Ça fait bien tourner. Il a l'air plutôt adroit, le petit ATM là. Au shoot. Mince. Chose qui est pas forcément mon cas. Peut-être le décalage ici à 3 points. Dommage. Dommage, ça ne passe pas. Oui, bien vu ça. Bien vu le rebond. Avec 15-16, ça serait quand même bien de remporter ce match.
À droite. On est là. Bien vu. Belle défense. Belle défense. Le rebond est là aussi. Derrière, peut-être. Non. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. Ballon quand même pour nous. Ballon quand même pour nous. Je vais essayer de couper directement au panier. Le truc, c'est qu'on est beaucoup plus nombreux, donc je sais pas si ça va marcher, tout ça. Il n'y a pas un chat qui bouge là, hein, clairement. Il n'y a pas beaucoup de mouvement. Il va essayer de shooter tout seul. Le rebond peut-être. Bien vu. Dommage, en arrière. Oui, bien vu ça. Bien vu le décalage à 3 points, ça. Ça, c'est très bien vu de la part de nos coéquipiers. Allez, plus qu'un petit panier pour nous et la victoire est là. La victoire est à portée de main. Attention là, le TM il est très adroit au shoot. Putain, il est très rapide aussi, putain. La vitesse, le coup d'accélération qu'il m'a mis. Bien vu. Oula. C'était quoi cette passe? C'est moi où il a essayé de faire une passe à l'aveugle et puis il a mis le ballon complètement dans le public. Il a complètement fail son truc. Il a vu ça raconter avec une passe à l'aveugle et ben non. Il a mis le ballon dans le public. Oh, bien vu le contre. Je vais quand même revenir sur mon défenseur. Ah, mais il n'a toujours pas le rebond. Putain, deux fois qu'il a eu le rebond, le mec. C'est bien arraché en face. C'est très très bien arraché en face. Je suis parti. Non, je suis pas parti. Là, oui. Là oui, peut-être. Pour terminer. Ah là là. Putain, je fais des bons timings. J'étais vraiment ouvert, mais ça passe pas quand même. Dommage. Vraiment dommage, là, pour le coup, j'aurais pu finir. Putain, mais il est très rapide, lui, j'arrive pas à le suivre. Putain, il marque l'égalisation. Ouais, faut le finir, ce match, faut le finir. Peut-être avec le 3 points, ça passe pas, peut-être avec le rebond. On est là, oui, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu, la victoire quand même, même si, bon, j'étais pas exceptionnel, je dois vous avouer, ici, sur ce match, un petit peu en deçà. Voilà, petite interview sur la 2K TV. Bon, c'est quelque chose qui est assez récurrent dernièrement sur les scénarios de ma carrière. On a régulièrement des interviews comme ça pour 2K TV. C'est pas quelque chose de très nouveau à ce niveau-là. Bon, René 2K, un des personnes qui s'occupe des réseaux sociaux au niveau de 2K. Ah, le con. Je retire du oui.
Ok, bah. On a un agent, vraisemblablement, avec ce recruteur, enfin cet agent qu'on a rencontré donc sur le terrain tout à l'heure. Et là, le lendemain, je pense qu'on va avoir peut-être un match de détection, un match de décès chez les Timberwolves. Donc je vous ai bien dit au début que c'était l'équipe qu'il faut choisir au début que, bah, qui va vous donner le laisser pour jouer dans une équipe NBA. Donc choisissez bien en fonction de votre poste, en fonction du poste, sincèrement, parce que si vous choisissez un meneur que vous partez, je sais pas, chez le Boston Celtics alors qu'il y a Kyrie Irving, ça ne sert pas à grand chose. Ok, bon, ce qu'on va faire, c'est comme la dernière fois, les gars, on va se laisser là-dessus. Petit teaser, bien sûr, pour la suite de la carrière, pour vous laisser un petit peu envie de regarder la suite. On va se garder ce petit match pour la suite, pour la troisième vidéo de ce mode carrière de NBA 2K18. J'espère que ça continue toujours à vous plaire, ces vidéos. Et je vous donne rendez-vous très prochainement donc pour la suite de ma carrière sur NBA 2K18. À très très bientôt, ciao ciao!